Encore. Puisque vous aimez ça, je vais arrêter, ça c'est la punition. Enfin une qui a compris ma philosophie. Tu te rends compte de l'effet que tu leur fais? Bah c'est moi sur les vêtements. C'est les deux. Enfin, les vêtements, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc comme il n'y a pas beaucoup de vêtements, je pense que c'est plutôt toi. Ah merci quand même. Ouais. Tu t'appelles comment? Zara White. Zara White, c'est ton vrai nom, ton vrai prénom? Non, c'est pas mon vrai nom. C'est quoi ton vrai nom? Este Jacobo Maria Magdalena Coima. Bah, je vais te dire, j'irai pas le répéter. Comme... Oh là là! T'as des surnoms? Parce que je sais. Dans, ton Jules, dans l'intimité, il t'appelle comment? Quelle intimité? Quand tu es avec ton Jules, comment il t'appelle? Tesoro, piccolo, amore. Ah, tesoro, piccolo. Ça dépend. Ah, D'accord, t'as quel âge? 25, moi. Ouais, moi aussi. Toi aussi? Ouais. C'est bon, on a le même âge. Oui, c'est bizarre. Hein. C'est quoi? Oh, le cousin? Moi, je viens juste d'avoir 25 ans. Chut, Bafi, on se calme. Tu mesures combien? Tu mesures? Ouais, la taille. 1m74. Ouais. Maintenant, c'est un peu plus. Hein, tu veux voir tes chaussures? Oh là là! Ils font les mêmes pour hommes, non? Tu vas essayer? Bah, pas tout de suite, mais un peu plus tard, peut-être. Tu pèses combien? 55. Ah ouais, c'est pas beaucoup. Hein. Non, énorme. Je vais grossir un peu, je mange, mais... Tu grossis pas? Non. Tu n'y arrives pas? T'as des signes particuliers, des tatouages cachés? Non, j'ai pas de tatouage. T'as rien de... T'as juste ce petit truc-là. C'est très joli. C'est très joli, ça. C'est à moitié, vraiment. Ouais, non, c'est bien. C'est pas un faux, c'est un vrai. Non, c'est un vrai. T'es sûr? Tu veux toucher? Non, non. Ben, si je commence à toucher, on n'en finira pas. tu t'es fait opérer? Non. Moi, je parle du sein, c'est tout. Hein. Ah oui, ils sont très grands maintenant, je veux dire. J'ai eu au moins 4 opérations, je crois. Pour les faire grossir? Ouais. Ils n'étaient pas terribles avant, alors. S'il faut 4 opérations, excuse-moi, je ne veux pas être vexant, mais s'il faut 4 opérations pour arriver à ça... C'est pas une opération qu'il faut, c'est un gonfleur. Hein. Ah ouais. T'étais pudique quand t'étais petite? Tu sais, quand t'as 13 ans, 14 ans, ça commence à... Ouais. À to grow. Ouais, à grossir. T'es pudique parce pousser. Que tu veux avoir tout grand, tu vois. Ouais. T'as 3 poids là, alors ouais. T'es pudique, mais après, non. Ouais. Donc t'as arrêté d'être pudique à quel âge? À 4 poils. Ouais. À 4 poils, t'as arrêté d'être pudique. Plus ou moins. Plus ou moins, oui. Ton premier flirt, c'était à quel âge? Flirt, c'est... Sexuellement ou les non, bisous? Non, flirt, les c'est... bisous comme voilà, ça? Voilà, petit bisou. Bon, j'avais 5 ans, 6 ans, comme ça. Ça. Ah oui, ça a commencé assez... Sous les joues, comme ça. Ah ouais, 5 ans déjà, oui. Et ton premier amour, ton premier vrai amour? Mon vrai amour? Le premier vrai amour. Un vrai amour, j'avais 19 ans. 19 ans. Bah, le vrai amour. J'habitais avec un mec quand j'avais 17 ans jusqu'à 19 ans. Moi, j'étais amoureuse, mais je pense que c'était pas vraiment de l'amour, en fait. Et ton premier amant? Mon premier amant, sexuellement? Oui. C'est 16 ans. 16 ans. Normal. C'est normal. Bon, c'est pas extraordinaire. Depuis, t'en as eu combien? En dehors du boulot, quoi. Des amants ou... Des vrais amants en dehors du boulot, je veux dire, des Jules, quoi, des... Je sais pas. Il y en a 800 près, on s'en fout. Ça prend combien de temps pour tourner un film porno? Ça dépend où tu tournes, parce qu'aux États-Unis, ils font des vidéos déjà dans un jour. Une journée. Une journée, enfin, ouais. Un film. Ils ont cinq scènes de hard, et puis la comédie, ils font ça dans une journée, une vie. Mm.
Et il y a des films que j'ai fait, les plus grands films sont en 5 jours. Puis en Europe, normalement, ils tournent dans une semaine, plus ou moins. Et pourquoi ils sont plus lents en Europe? Parce plus lents. Ils font du boulot bien léché, ma fille. Non, sérieusement, pourquoi c'est plus lent? Je crois qu'en Europe, il y a un plus grand budget, alors ils peuvent faire beaucoup plus de comédie aussi, parce que la comédie, ça prend beaucoup plus de temps, parce que pas tous les comédiens qui font le art sont des vrais comédiens, en fait. Ouais. Alors ça prend plus de temps. Pour faire un film porno, c'est payé combien? Bon, ça dépend si tu as un certain nom, si tu n'as pas un certain nom, ça dépend quel pays. Moi, quand j'ai commencé aux États-Unis, c'était 1 500 $ par jour. Et c'était très haut pour les États-Unis parce que normalement, c'est 800 $. 1 000 $, c'est ouais. Maximum. Pas terrible quand même. À ce prix-là, tu t'es fait niquer. Tu en as fait combien de films? Au tout, je crois, plus ou moins 25. Tu préférais quoi comme scène? Avec un homme ou avec une femme? En trois, c'est un peu un bordel pour tourner, tu vois. C'est pas où mettre ta tête ou tes pieds. Ouais. À trois, c'est plus compliqué, oui. C'est plus compliqué à tourner. Ouais, à tourner, oui. Est-ce qu'il t'est arrivé de prendre vraiment du plaisir dans un film hard? Ouais, souvent. Oui, souvent, c'est ça. Ça dépend si la scène est... C'est agréable dans une lit, tu peux bouger, il n'y a pas le réalisateur qui fait wap 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 tout le temps, tu peux te concentrer. Tu peux prendre ton plaisir. Ça dépend, si tu es sur une chaise comme ça, avec c'est très impossible de... Ouais. Tu n'avais pas peur d'attraper le sida en faisant tous ces films? Comme tout le monde, on a peur de n'importe quelle maladie. Le sida, c'était le plus grand. Aux États-Unis, pour la loi, tu as besoin de chaque mois, devant tourner le film, il te prend avec les caméras, avec le test du sida, que tu es négatif. Et puis, il ne vient pas des dents, les mecs, parce qu'il doit voir ça pour le film. Et on met les éponges spéciaux, on prend toutes les précautions. Puis, parce qu'on travaille déjà sexuellement, ce n'est pas que dehors dans le travail, on va aux discothèques, on va à la boîte, on va à n'importe qui, parce qu'on n'a plus envie. Quoi. Ouais. Alors, c'est toujours dans la famille. Mm. Là, ça diminue le risque. Tu peux pas dire qu'il n'y a pas de risque, il y a toujours de risque. Mais c'est même, tu vas à la boîte et tu oublies les préservatifs, ça c'est un risque encore plus grave. Ouais. Hein. Tu as eu honte de faire ce travail? Non, moi pas. Mais je suis bien amusée. Moi j'aimais ça. Ouais. Tu n'as jamais eu honte à l'époque de faire ça? Non, la première fois j'étais nerveuse, mais c'était plus pour la comédie parce que j'avais jamais fait ça. Mais honte, non. Tu avais quel âge la première fois? 20 ans. 20 ans. Et à l'époque, tu le disais, quand tu rencontrais un garçon dans une boîte de nuit, tu lui disais le métier que tu faisais? Mais c'est drôle, quand je suis commencée à faire ce métier-là, j'avais plus envie d'aller à la boîte et aller à n'importe qui. Il y a les gens, quelquefois, les amis comme ça, qui savaient le travail que je faisais. Et puis, si ça se passe qu'on va au lit ensemble, ils avaient peur. Parce que moi, il y a une grande star, elle fait ça. Alors, ça marchait plus, tu vois, ils ont trop peur. Mais... Ils avaient peur de ne pas assurer, peut-être. Oui, c'est ça. Ouais. Mais toi, tu le disais, quand tu rencontrais un garçon, il disait qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu lui disais ce que tu faisais. Ça dépend qui c'était, parce qu'il y a quelques fois que je savais avant, si je vais dire ça, il me prend comme une fille très facile et j'aime pas ça, il te traite vulgairement. Mm. Alors, quelquefois, je disais seulement, je fais le modèle. Je sais pas, mais à l'époque, quand tu étais avec un Jules, tu le trompais, je veux dire, en dehors de ton travail, tu le trompais ou non? Jules. Quand tu étais avec un garçon. Ouais. Si je le trompais. Oui. Quand je dehors de travail, non. Moi, c'est pas mon habitude. Non. Donc tu es très fidèle en fait. Ouais. Peut-être je trompe avec les filles, mais c'est pas un concurrent. Si avec les filles quand même. C'est pas pareil avec les filles. C'est une petite trompe. Ah, c'est une petite. Ah, c'est mignon. Avec les filles, c'est une petite tromperie. Oui, une petite comme ça. Oh, c'est charmant ça. Et tes parents, tu leur as dit à 20 ans quand t'as fait ton premier film X? Ouais, j'ai appelé. Moi, je faisais la modèle avant. J'étais aux États-Unis, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, mais je fais un petit peu, tu sais, le film un peu art. Ouais. Ah. Mais. Bon. T'es contente? Oui, tu veux la drogue? Non. Alors, je suis contente. Alors, j'ai acheté un billet pour elle pour venir sur le plateau pour voir. Ouais. Que c'était pas les drogues, les orgies et tout ça, ouais, c'était une chose professionnelle. Ouais. Elle a fait 2 jours d'ailleurs. Et maintenant, elle a ouvert une agence modèle et tout ça. Alors. Et quand tu auras des enfants, tu leur diras? Oui.
tu leur diras, maman, elle faisait des films X. Oui, quand elle a 3 ans, je trouve pas assez, c'est juste de l'expliquer, mais s'ils demandent des choses comme ça, oui, tranquillement, ouais. Bah, j'ai fait le porno comme ça. Non. Ouais, tu leur expliqueras, quoi. Ouais, ouais, ouais. Vous avez devant vous l'auteur de l'œuvre la plus scandaleuse qui ait jamais existé. Le Marquis de Sade. Connaissez-vous mes œuvres? Je connais que ça. Ah, formidable. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je vis pour le plaisir de la chair. La chair, mon... Oh, que diriez-vous d'une petite séance de fouet? Regardez. Ah, c'est mon idée. Hein? Je préfère l'inverse. L'envers, vous voulez dire quoi par l'envers? L'inverse. Ah, l'inverse, ah oui. Ah, mais vous savez, je ne suis pas très habitué. Oui, très doucement, je suis très douillé. Vas-y. Encore. Puisque vous aimez ça, je vais arrêter, ça c'est la punition. Enfin une qui a compris ma philosophie. Elle a compris ma philosophie. Elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Ah, excusez-moi, mais j'entends, le devoir m'appelle. Oui. Voilà, je vais y aller, je vais y aller. Vous venez avec moi? Mais moi, il faut que je vous dématérialise maintenant. Le dématérialise, est-ce que ça fait mal? Pas vraiment, non. Oh, quel dommage. Ah, oui, c'est vraiment très dommage. Bon, ben alors, je vais y aller. Vous venez, chère mademoiselle? Oui, vous avez raison. C'est vachement nul, Thierry, je viens avec lui. Voilà. Pourquoi? Venez. Comment? J'aurais bien aimé qu'elle reste un petit peu avec nous. Vous auriez aimé, mais mon cher ami, je l'embarque avec moi. Vous êtes un être scandaleux, pervers et puéril, surtout. Allons-y. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.